Bonjour à tous, c'est Dracos et aujourd'hui on va se retrouver sur une petite vidéo pour le nouveau système de scan. Parce qu'apparemment il y a certaines personnes qui ont un peu de mal à savoir comment cela fonctionne. Donc je vais faire une petite vidéo rapide sur le nouveau système de scan qu'on a avec Simaris. Alors pour obtenir déjà vos scanners, donc déjà lorsque vous allez voir Simaris, que vous lui parlez, il vous en donnera je crois c'est 25 ainsi que des. Hop. Donc voilà, je vous donnerai ça ainsi que, je ne me rappelle jamais, le siphon cinétique, parce que je ne m'en sers pas, donc je ne me rappelle plus. Je vous donnerai les siphons cinétiques. Les siphons cinétiques, au final, c'est pas si utile que ça. Sauf si vous chassez seul. Moi, j'appelle ça chasser, hein, excusez-moi. Donc, sauf si vous chassez seul et que vous n'avez pas forcément les bonnes warframes. Personnellement, moi, je m'en sers pas, mais j'ai toujours les 10 de base. Il vous donnera environ, je crois, ces 25 scanners de synthèse. Vous pouvez aussi lui en racheter pour 5000 crédits. Donc, pensez à vous en équiper lorsqu'il vous les donne. Hein, parce que si vous utilisez les scanners de codex de base, ça ne fonctionnera pas. Donc, pensez bien à vous en servir, à vous en équiper comme je les ai équipés là. Donc, pour le scan, les nouveaux scans. Donc, perso, moi je fais ça avec Loki, ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. J'ai le temps de faire la cible en même temps qu'elle m'est repérée. Donc Loki Best. Donc on va aller sur Mercure. Perso, j'ai fait les 10 sur Mercure. Hein, c'était vraiment ce qui est vraiment le plus simple. Vous faites une extermination. Enfin, moi perso, c'est ce que j'ai trouvé qui était vraiment le plus simple. Parce qu'il n'y a vraiment pas de prise de tête là-dessus. Vous allez sur Mercure, étant donné que c'est du Greener, c'est du petit lancier de base. Donc direction Mercure, Greener et extermination. Et le tout avec un petit Loki. Donc le Loki qui est à la base d'un assassin. En temps, les amis, ils chassent les cibles dans le capture. C'est un chasseur en mode de capture. Je suis détectant un synthèse. Utilisez le synthèse scanner pour trapper la créature. On va dégager la zone, ensuite je vais montrer le nouveau système de scan. La zone est nettoyée. Donc, le nouveau système de scan, il faut bien évidemment s'en équiper. Une fois que vous l'avez équipé, il faut scanner de temps à autre. De façon à pouvoir suivre la trace. Donc la trace, vous voyez, c'est ça. C'est les petits points bleus qui sont là. Donc ça en gros c'est la piste du chasseur, enfin du gibier plutôt, la piste du gibier que vous devrez suivre et qui vous emmènera donc à peu près jusqu'à l'endroit où se situe votre cible. Donc, elle est en mode invisible, c'est intéressant quand même. Rapide, rapide, vous avez rien vu. Donc la cible toujours dans cette direction. Hein, tout le village. Ici. Voilà, une greener qui vole. Invisible. En dessous toi. Bon. D'énergie parce que ça part vite quand même cette salope. Voilà. Donc le fait de faire les missions de Mercure c'est que c'est assez rapide. Donc, vous voyez, j'ai quoi, j'ai 38 ennemis à scan, enfin à crypto. Donc ouais, au niveau rapidité de la mission, je pense qu'il n'y a pas mieux. That's it. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai la cible qui est là-bas, donc on va s'approcher doucement. On va attendre que mon invisibilité revienne, on va se mettre juste à côté. Le ménage. Oh, t'as chaud, toi, t'as la flèche qui est passée. On est, t'as pas bougé.
Je cible, voilà, cible est là. Donc, invisibilité, hop, on fonce. Je prends les scans. Alors là, vous voyez, la cible a des petits points qui brillent sur elle. C'est son sac que vous devez scanner. Vous mettez le scan dessus, vous scannez. 1, 2, 3, 4. Et là, la cible. Ah, la petite. An excellent specimen hunter. This will advance sanctuary's goal. Donc c'est fait, vous êtes tranquille. On peut y aller, notre barbare. Bouh. Bouh. Bonjour. Tu es où? Tu es là? Au revoir. Cours, vas-y, cours. Cours. Ah, t'as pas couru assez vite. Je suis ta mort. Là, là. Oui, je suis un gros sadique avec les ennemis. Je suis un homme invisible, j'adore. Je suis plus là. Bah toi non plus. Monsieur? Monsieur? Excusez-moi, monsieur, derrière vous. Il bon peut être une argent. Là. All targets down. Get to extraction. Bon voilà, vous avez vu le système de scan vraiment basique. Il ne faut pas scanner les ennemis comme on avait l'habitude de le faire pour ceux qui scannaient avant. Il faut vraiment scanner des points spécifiques sur l'ennemi. Ensuite, vous devrez faire ça 10 fois, on va dire maximum. Hein. Enfin, minimum plutôt. 10 fois minimum pour l'entrée dans les entrées du codex. Donc, vous voyez, c'est rapide. Bon, là, j'ai pris un peu de temps à la fin. Mais bon, vous pouvez vraiment sprinter, hein, il n'y a pas de souci. Hein, j'ai pris vraiment un petit peu mon temps, j'ai fait mes muses. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo aura pu aider certains d'entre vous. Et sur ce, bah, bon jeu à vous les ténors.